Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est jeudi, donc c'est le dernier jour ici à Marrakech. On rend la chambre tout de suite là, il est actuellement midi. Donc on avait la chambre jusqu'à midi, donc là on va aller la rendre. Coucou. Ça va, alhamdoulilah. Bien dormi? C'est bien dormi. On est parti se baigner à la piscine le matin en haut là au 4ème étage. Par contre on a raté le petit déjeuner, j'ai trop les nerfs. J'ai trop faim, hier soir j'ai pas mangé et ce matin j'ai pas mangé. Bref, moi on vous retrouve tout à l'heure. Regardez la déco du resto, enfin du café. Donc là c'est café arabica juste en face de l'hôtel. J'aime trop ce style. On voit pas trop bien avec la luminosité. On va lire. Il y a Monsieur Tariq. Et toi. Vraiment du pur café, tout ce que j'aime. Alors on va mettre ça. Voilà. Allez, c'est parti, je vais vous dire ce que j'en pense après. Furkus. Furkus. Hadak li daz Omar. Aha. O li raja Amr. Ah, magdoufil. Zadoufila. Ya. Tunjia. Akbar Tunjia taala. Délice de Furkus. On s'est mis à côté de la clim. Alors, petite salade marocaine en entrée, avec un assortiment de riz et du pain. Alors, petit plat de frites avec un petit tagine de bœuf. Ah, il y a du bon. Et voilà, regardez, à Marrakech, beaucoup de femmes conduisent en scooter. Je suis fascinée, franchement c'est trop bien. Beaucoup beaucoup de femmes qui conduisent en scooter. Et voici une autre. Regardez les amis. Zara et Zara Home. Marrakech. Magnifique. Guéliz. Bon les amis, allez, dernière petite sortie. Avant de prendre la route, on a choisi de venir ici au jardin de Marjorelle. Donc un incontournable ici sur Marrakech à voir. Franchement, ça a l'air d'être super beau. C'est une genre de villa, je vais vous montrer, regardez. C'est super beau. Marjorelle. Salam alaikum. Oh là, on fait remarquer. Salam alaikum. Super beau. Chokran. Regardez, c'est super beau. Là, il parle de la température. Regardez les jardins de Marjorelle. Magnifique. C'est trop beau, j'aime trop, je suis amoureuse. خويا تقدر تعاودنا القصه ديال هاد الفيلا مارجوريل علاش كيعيطوا لها مارجوريل مارجوريل حيتاش مارجوريل هو اللي دار هادشي هذا كامل ها سي واحد سميتو مارجوريل وي هادي دارو هنا فين كان عايش داكور اوكي هادي هي دارو ولكن دابا لي جاردان والميوزي
La fondation Majorel est les 4 jarrés, mais c'est privé. C'est indépendant, tu vois, la fille de Dieu. Je ne sais pas exactement l'histoire, mais c'est un chili. Quand même, ok, ça marche. En tout cas, c'est très très joli. Ah oui. Il a dit qu'il y a tous les jardins. Mais il a dit qu'il y a tous les jardins. Il a dit qu'il y a tous les jardins, il a dit qu'il y a la même architecture. Aïe. Le même design. Donc, il y a le café et le jardin est là. D'accord, c'est à part. Ok, ça marche. Donc, d'abord, j'aimerais que nous fassions la visite comme je voulais. Alors, voici un arbre âgé de 600 ans. D'accord. Et du coup, regardez, il est au milieu de la villa de Marjorelle. Et du coup, la propriétaire nous a expliqué que plus il grandissait, plus ils agrandissaient le trou. Et en fait, il est implanté en plein milieu du café. Hello! Il rigole, il se fout de ma gueule. Ouais. Et en fait, ici, c'est la villa, d'accord, pour prendre un café, etc., qui n'est pas dépendante, en fait, des jardins de Majorelle qui sont juste en face. C'est une entrée qui est payante à 120 dirhams sur réservation, d'accord. Nous, on n'a pas le temps, du coup, bah, on est venu juste au café. Mais c'est exactement la même chose. C'est très beau à voir ici sur Marrakech. Et il y a aussi le musée de Yves Saint-Laurent qui est juste à côté. Et un troisième musée. Après, vous pouvez prendre les trois en même temps et vous paierez 220 dirhams pour les trois entrées. Voilà les amis. A trier. Pain is the thing I acquire. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est vendredi. On est arrivé à 2h du matin ou 3h du matin. Non, c'est pas tant, j'ai Marrakech. Et puis bah, je suis rentrée, je me suis occupée de mon linge. Et aujourd'hui mon mari en fait il va faire une sadaqa. Enfin, on va faire une sadaqa à la maison. Donc on a invité quelques personnes et on va faire une sadaqa. Et il est passé aussi à... Je sais pas, dans un magasin de bricolage. Et en fait on est au Stah actuellement. Et moi en fait je voulais faire une genre de d'abri dans le Stah, comme genre de terrasse en fait, pour pouvoir me poser ici quand avec les enfants et la piscine qui est juste ici. Et en fait j'en avais trouvé une comme une genre de tonnelle en fait. J'en avais trouvé, il me laisse parler. J'en avais trouvé une à Marjan. Elle faisait 3000 dirhams. Sauf que mon mari il était pas d'accord parce qu'en fait il trouvait que c'était trop cher. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il me s'est dit, bah, je vais la faire moi-même. Ah bon, tu vas la faire toi-même. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté du bois. Et je vais vous montrer l'endroit exact où je veux faire ce genre de tonnelle. En fait, il va faire une genre de tonnelle en bois avec des bambous. Oh là, j'ai zoomé. J'ai zoomé sur ma tête. Je vous disais, il va faire une genre de tonnelle en bois avec des bambous. Et en fait, là, il est chaud patate. On a la sadaqa ce soir et il est en train de faire ça. Bref, je vous montre. Donc là c'est l'endroit où je veux faire le genre de terrasse avec une tonnelle. Et en fait je veux que, voilà, je veux ici fermer, tu vois, je veux que ça se ferme. Et en fait ici je veux que ça soit un coin terrasse, tu vois. Et ici il y a la piscine. Et là c'est là où on étend le linge. On a des genres d'étendage comme ça au Maroc, vous voyez. Et c'est là où on étend le linge. Et du coup je vous montrerai le résultat. En construction. Donc, aussi, mettez des pouces, mettez des commentaires, activez la petite cloche. Ciao! Bon, les amis, alors, Marie a mis la base pour le Stah. En fait dans la terrasse et du coup on est chez un particulier en fait qui fait, je sais même pas comment ça s'appelle les bambous je crois en français. Et en fait mon mari va mettre des bambous au dessus et en fait on est venu ici. Moi même le truc qu'on a pris c'est là-bas, vous voyez, c'est ça, depuis le temps qu'il me dit qu'il veut mettre ça au Stah. Alors c'est le jour
bougies. Donc on a Moussoumié qui sont en bas. On va vous montrer un petit extrait. Moi, je suis habillée avec un petit kaftan. Comment ça s'appelle? Johara. Un kaftan Johara. Mon mari m'a acheté, il est super beau. Il l'a pris en cette couleur et en violet. Oui, je l'ai regardé tantôt. Je l'ai regardé dans sa data. Vous regardez Moussoumié. Prenez pour Anna. يقول لمن شقك فيكون ويبدئ سبحانه ويعيد ويحكم في خلقه ما يشاء ويفعل في ملكه ما يريد في ظلمة الأرحام صورني بالنطفة وابدأ ونهايا تحت الفم وزت من غير فما تشرطاني والزردل والقل اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام سبحان من عمنا فضله علينا له الحمد. Bon, c'est la fin de soirée. Donc là, le traiteur s'en va. En tout cas, j'espère que ce petit vlog vous a plu. On se retrouve très vite dans un nouveau vlog. Et je vous dis à bientôt. Fanning the fire, watching the flame.